C'est l'heure vous est présenté par l'amortisseur de choc Incabloc qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 85 ans. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée à l'horlogerie. Avec Serge, nous aurons l'occasion de revenir régulièrement pour évoquer ce thème avec vous. Et dès à présent, nous allons rencontrer des entrepreneurs, des créatifs et surtout des passionnés d'horlogerie. On se trouve d'ailleurs dans un haut lieu de l'horlogerie, ici au Sentier. On va se rendre à l'espace horloger de la Vallée de Joux, où se tient actuellement une magnifique exposition sur James Bond. D'ailleurs Nasrat, je crois que c'est l'heure, allons-y. Nous voilà au cœur de l'exposition James Bond Time, ici à l'espace horloger de la Vallée de Joux, en compagnie de son directeur Vincent Jaton. Bonjour. Bonjour. Et Serge, une anecdote que l'on ne connaît pas forcément au sujet de James Bond, c'est qu'il a un lien avec le canton de Vaud. Alors effectivement, on ne le sait pas, mais la mère de James Bond était vaudoise. Vincent Jaton, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette anecdote surprenante? Alors, anecdote surprenante, oui, tout à fait, puisque Ian Fleming, l'auteur, le créateur de James Bond, a vécu pendant 2 ans avec Monique Panchaud de la Croix, vaudoise suissesse, et c'est là qu'il a découvert la Suisse grâce à elle. Et plusieurs années après leur rupture, il a réintégré Monique de la Croix, en souvenir de Monique Panchaud, dans James Bond, et mère de James Bond. Avant d'aller plus loin avec cette discussion, je vous propose de découvrir justement cette exposition. C'est un reportage signé Jeanne Bouzit avec, dans le rôle principal, un certain Vincent Jaton. À l'occasion de ses 20 ans, l'espace horloger de la Vallée de Joux plonge le visiteur dans l'univers de James Bond. De la traditionnelle montre de luxe mécanique à la parenthèse du quartz, l'exposition retrace 50 ans d'histoire horlogère. Le support à ces vitrines pour toutes les informations qui servent le thème se trouve dans des écrans interactifs où on découvre non seulement la description de la ou des montres, on découvre aussi les illustrations liées par exemple aux affiches des films qui sont traités, qu'on aborde dans le sujet, et puis des films, des séquences de films qui servent le sujet que l'on traite. Tout simplement, par le simple clic, on a une séquence qui va parler, dans laquelle en fait, on va trouver, entre autres, la montre qu'on aura dans la vitrine. Parmi ces 32 toquantes, pour la plupart rarissimes, une montre de 1967 touche particulièrement le directeur du musée. Une montre qu'on voit très 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 peu à l'écran, mais elle a justement une symbolique, elle représente en fait toute une période, et je dirais qu'elle résume aussi, elle résume James Bond par le fait que l'art mécanique, qu'il soit de la voiture ou de la montre, se retrouve totalement concentré dans cette dernière scène-là. Donc ça servait aussi très très bien un des sujets qui était ce retour à la montre mécanique, en sorte de fiabilité, à l'encontre de tout ce qu'on peut trouver au niveau de l'électronique, au niveau des montres connectées, etc. Cette exposition ultra-moderne sera aussi l'occasion de découvrir des métiers liés à l'horlogerie. Alors, si vous avez envie de replonger dans la plus longue saga de l'histoire du cinéma, l'immersion technologique et cinématographique est à voir jusqu'au 23 avril 2017. De retour avec notre invité, Vincent Jaton, pour l'exposition James Bond Time. Alors, l'histoire de James Bond 007 commence avec une Rolex au poignet. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette Rolex? Oui, alors, tout simplement, une Rolex Submariner, pour dire, c'est vraiment le hasard que Rolex se soit retrouvé dans le Dr. No, donc le premier épisode de la saga. C'est Broccoli qui a prêté à Sean Connery sa montre, pour des raisons tout simplement budgétaire.
Donc on le retrouve après sur 5 épisodes avec Sean Connery, cette fameuse montre prêtée de Monsieur Broccoli. On voit ici, dans cette exposition, des objets exceptionnels. Ça a été facile d'approcher les marques, d'obtenir ces objets, ces montres ici? Alors tout simplement, oui, alors je dirais facile, pas facile, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir collecter des montres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adressé à différentes marques horlogères, que ce soit Omega, que ce soit Hamilton, Breitling, Tag Heuer. Des collectionneurs privés nous ont prêté leur montre dans le cas de Rolex et dans le cas des montres Seiko, nous les avons achetées pour le musée. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le poignet de James Bond illustre l'histoire de l'industrie horlogère. Il commence par le mécanique, il passe au quartz et récemment il revient au mécanique. Ah, tout à fait, c'est vraiment l'industrie du 20e siècle au 21e siècle, ce début de 21e siècle, on a vraiment un pan de l'histoire et de la mode et de quelle manière en fait ces montres sont appréciées par le grand public et ce retour à la montre mécanique que l'on retrouve surtout dans les deux derniers épisodes de James Bond, Skyfall et Spectre, au même titre qu'on va retrouver de manière systématique la fameuse Aston Martin DB5. Retour aux sources, pourtant toujours pas de montre connecté, Vincent. Alors non, toujours pas de montre connectée, mais peut-être. On verra. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Vincent Jatton, un grand merci à voir donc cette exposition ici à l'espace horloger de la Vallée de Joux. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer la vente aux enchères. Vous allez voir un modèle en particulier exceptionnel vendu 11 millions de francs. Place à présent à notre première chronique avec le cofondateur de la plateforme horlogère Watchonista, Marco Gabella. Bonjour Marco. Bonjour. Alors les grandes ventes aux enchères de Genève ont eu lieu en novembre avec des records qui sont tombés, dont une Patek Philippe qui s'est vendue pas moins de 11 millions de francs. Alors que le marché horloger connaît un fort ralentissement, celui du vintage lui semble se porter très bien, Marco. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, Serge. Donc effectivement, deux fois par année à Genève ont lieu d'importantes ventes aux enchères. Quatre maisons leaders, à savoir Philips, Christie's, Sotheby's et Antiquorum, ont adjugé durant quelques jours pour pas moins de 55 millions d'horlogeries. Alors comment on peut expliquer ça? Surtout pour cette montre, on va le rappeler, elle est en acier. Tout à fait, alors ça peut paraître un peu bizarre, je dirais même on n'a pas le prix de l'or pour ce qu'on achète. Eh bien effectivement, elle est en acier, très peu de références ont été faites en acier de cette 15-18. Pour être exact, il y en a eu 4. 4 sont connues par le marché, 3 sont dans des collections en Italie et je pense qu'elles ne bougeront jamais. Donc à partir du moment où cette pièce a été attendue par le marché, il y avait fort à parier qu'en ressortant en vente, elle fasse un prix record. Alors 11 millions de francs, on l'a dit, est-ce qu'on peut envisager qu'à l'avenir, elle soit même revendue encore plus chère? On peut parier sur le fait qu'elle soit revendue encore plus chère, comme dans tous les domaines de la collection, en définitive. Comme on pourrait le dire, une voiture ancienne, pour prendre un exemple, une Ferrari 250 GTO 62, qui est absolument mythique, on peut être sûr qu'à la prochaine vente, elle sera vendue plus chère qu'à celle d'avant. Donc vous nous dites que c'est une tendance qui est valable pour toutes les montres de collection ? Non, ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, il y a certaines icônes qui sont nécessitées par le marché, et on peut trouver des pièces plus accessibles. Dans les dernières ventes, il y a eu tellement de super lots de top lots qu'au final, ils ont un peu éludé certaines pièces très intéressantes et les collectionneurs ont pu acquérir à des prix plus qu'intéressants, c'est-à-dire au bas de l'estimation, des lots purement mythiques. Marco Gabella, merci beaucoup. On retiendra sa passion pour les montres, naturellement, et pour les Ferrari aussi. Dans quelques instants, on va découvrir un nouveau horloger, une start-up qui a débuté. On se retrouve tout de suite. Est-ce que je porte une montre? Bonne question. Vérifiez, oui, j'en porte une. Alors attends deux secondes, non, pas du tout alors. J'ai horreur des montres, des pendules, des réveils, de tout. Alors le téléphone, c'est merveilleux, parce que comme ça, on n'a pas le sentiment d'avoir de montre. Oui, même deux. Sur vous? Ouais. C'est pas possible, vous pouvez nous les montrer? Bien sûr. Une Tissot et une Breitling, je sais pas si vous voulez voir comment ça se passe. C'est incroyable, mais pourquoi deux? Parce que mon ami en fait travaillait chez Swatch avant. Donc vu que M. Hayek en porte deux, il dit à tous ses employés on peut en mettre deux, donc j'ai fait comme elle, j'en ai porté deux, j'en porte deux maintenant tout le temps. <t'->
Et cette nouvelle marque s'appelle Code 41. Nous sommes avec son fondateur, Claudio Damoré. Bonjour Claudio, vous avez lancé cette nouvelle marque l'année passée, mais vous venez de lancer surtout une campagne de crowdfunding avec une somme de base de 80 000 francs. Vous avez déjà récolté 300 000 francs. Alors, oser lancer une marque horlogère par les temps qui courent, ce n'est pas banal, c'est même plutôt audacieux. Comment expliquez-vous cette aventure et sa genèse ? En fait, en tant que designer horloger, donc ça fait 11 ans qu'on collabore avec des marques suisses pour développer leurs produits. Et j'ai toujours eu envie de lancer finalement un jour ma propre marque. Ça n'a jamais été le bon moment avec une crise ou alors, etc. Il faut toujours avoir beaucoup de budget ou de distribution. Donc à un moment donné, on s'est dit, essayons de faire quelque chose qui soit un petit peu décalé en proposant des alternatives sur la transparence, par exemple, qu'on propose sur la transparence, sur l'origine, la distribution, les prix. Et parce que cet élément participatif n'est pas lié qu'au financement, c'est vraiment tout le processus de la création où vous avez fait appel aux gens. Exactement, depuis le départ, en fait, on n'avait pas encore de design de montre ou de montre. On a expliqué un petit peu notre concept de transparence. Ensuite, on a commencé à avoir des premiers designs de montre. Les gens pouvaient voter, donner leur avis, pour finalement arriver à un produit qui a été conçu un petit peu avec la communauté et qui aujourd'hui, cette communauté nous soutient sur Kickstarter. Ouais. Alors votre communauté justement a choisi un mouvement japonais alors qu'on est au pays du Swiss Made. Comment vous l'expliquez ? Alors notre principe, c'est d'expliquer que des objets ou des parties, des composants de qualité, il y en a partout dans le monde. D'ailleurs, l'horlogerie suisse connaît bien ça puisque une montre Swiss Made peut avoir la quasi-totalité de ses composants provenant d'Asie et d'ailleurs. Donc un mouvement japonais est tout aussi qualitatif qu'un mouvement état et autres. Donc on s'est dit, on va expliquer ça, on va choisir le meilleur rapport qualité-prix pour chaque composant. Et en l'occurrence, on avait aussi cet affichage particulier qui est donné par le mouvement Miyota qui nous plaisait. Donc pour ce modèle, on a fait avec le mouvement Miyota. Mais on a aussi un modèle plus classique avec un mouvement état. Donc on n'a vraiment aucune limite par rapport à... Est-ce que ce choix au niveau des composants, ça n'a pas fait grincer quelques dents dans le milieu ? Évidemment, quand on parle du Swiss Made et qu'on explique un peu ce qu'est le Swiss Made et que derrière on arrive avec une idée de transparence, tous ceux qui travaillent avec le Swiss Made, ça peut poser quelques problèmes, dans notre clientèle d'ailleurs, effectivement. Votre objectif était d'arriver à un prix raisonnable pour une montre suisse avec des composants internationaux, dira-t-on. Quel est ce prix et comment y êtes-vous arrivé ? Aujourd'hui, on a un prix de 650 $ qui est donné pour ce modèle Miyota, 750 pour le modèle ETA. Et sur Kickstarter, on propose justement des prix un peu spéciaux à 500 $. Et on est arrivé à ce prix-là parce qu'on a aussi réduit le réseau de distribution en se disant qu'avec la crise, on a beaucoup de distributeurs et de détaillants qui sont surchargés de stock et ce n'est plus tellement la bonne façon de faire. Aujourd'hui, les gens aiment bien se renseigner, acheter online, etc. Donc, on a réduit un peu ça et on va favoriser le bouche à oreille puisqu'on donne 10% à chaque personne qui va générer une vente. On va vendre online et comme ça, on peut réduire les marges à 3,5 au lieu de 6 à 8 en général quand on parle du prix de production jusqu'au prix de vente publique. Et donc, une belle aventure qui débute. Et si on veut acquérir cette montre, c'est sur Kickstarter qu'on peut directement aller sur Actuellement, oui, c'est sur Kickstarter, le site américain Kickstarter. Et puis, en cherchant Code 41, en un mot, on trouvera notre projet. Merci beaucoup, Claudio Damoré. Bonne suite, bon vent pour ce projet. Quant à nous, on fait une petite pause. On se retrouve tout de suite après pour vous proposer quelques suggestions de livres en lien naturellement avec le monde de l'horlogerie. C'est l'heure. Vous est présenté par l'amortisseur de choc Incabloc qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 85 ans. Votre femme porte une Longines, et puis vous ? Aussi une Longines, exactement. Mais c'est pas celle que vous avez sur vous, là ? Non, celui-ci, c'est un Tissot. Alors, je porte le Longines quand je vais à la messe. De retour ici à l'espace horloger de la Vallée de Joux avec Fabrice Munier. Bonjour Fabrice, vous êtes le directeur de Watchprint et il va être question, on le voit ici dans l'environnement dans lequel on se trouve Serge, il va être question de littérature. Tout à fait, Fabrice, vous êtes un spécialiste des livres sur les montres et pour commencer, vous nous présentez une introduction à l'horlogerie. Alors tout à fait, je vous présente un livre écrit par Louis Nardin, The Magic of Watches, la magie des montres, qui est une sorte de vulgarisation de l'horlogerie avec un index, un petit lexique et quelques infographies qui nous permettent de bien comprendre le fonctionnement d'une montre. Ça c'est pour les amateurs, maintenant deux livres pour les collectionneurs.
Alors, je vais vous présenter tout à fait le chronographe de collection fait par Joël Pinson et Sébastien Cholmontet, qui sont eux-mêmes des grands collectionneurs de chronographes et qui nous présentent des chronographes extraordinaires des années 40, 50, des marques perdues, oubliées, mais des très très belles pièces. Le deuxième livre que je vous présente, qui est aussi un livre sur un chronographe mythique, écrit par Grégoire Rossier et Anthony Marquier, ce sont aussi deux collectionneurs, c'est la référence Omega Speedmaster. C'est un livre qui nous présente la montre la plus mythique de l'horlogerie suisse, c'est-à-dire la montre qui a été sur la Lune. Et on finit avec une star locale de la vallée de Joux, la marque Breguet. Alors, un petit livre écrit par François Baudet, qui est l'ancien directeur de la marque Breguet, qui va nous expliquer comment cette marque parisienne, enfin entre Paris et Neuchâtel, pour l'histoire de Breguet, est arrivée à la vallée de Joux. Voilà quelques idées, notamment pour les fêtes de fin d'année. Tiens, sous le sapin, ça peut être sympa. Un grand merci, Fabrice, pour ces présentations. Place à présent à un créateur, le designer de Ferdinand Berthoud, qui est une marque qui appartient au groupe Chopard. Et son designer est avec nous, il s'agit de Guy Beauvais. Bonjour. Bonjour. Guy Beauvais qui, à travers cette montre, a reçu le Saint Graal, Serge, l'aiguille d'or du Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Tout à fait, ce sont les Oscars et vous avez gagné la Palme d'or de l'horlogerie. Pour cette montre que vous portez actuellement au poignet, c'est la FB1. FB pour Ferdinand Berthoud, un grand nom de l'histoire de l'horlogerie, un natif du Val de Travers qui s'est déplacé à Paris, qui a travaillé pour la marine et qui a fait des chronomètres de marine très réputés. Alors pourquoi avoir décidé avec Chopard de relancer ce nom cette année? Alors, l'histoire commence avec M. Carl Friedrich Schofield qui a commencé à collectionner les chronomètres de marine de Ferdinand Berthoud. Parce qu'il est très intéressé par la précision, en se rendant compte du contenu de l'œuvre de Ferdinand Berthoud, qui ne consiste pas que de montres, mais aussi de 5000 pages d'écrits, il a décidé de réanimer le nom de ce génie. Et justement, votre défi en tant que designer, c'était de transposer, de réinterpréter un design du XVIIIe siècle, un chronomètre de marine, sur le poignet, sur une montre bracelet. Vous avez d'ailleurs amené quelques esquisses avec vous. Pouvez-vous nous raconter un peu le fruit de ce travail? Alors, il fallait passer d'un chronomètre de marine qui fait environ 30 cm, qui consiste d'une boîte en bois munie de cardan qui tienne une partie centrale qui consiste du mouvement dans un cylindre étanche. Il fallait transformer ça dans une montre au poignet. Et on est parti d'une construction similaire au chronomètre de marine, c'est-à-dire une transmission fusée-chaîne qui transmet de manière optimale la puissance depuis le barieux jusqu'aux organes réglants de la montre. Et puis une construction par pilier, c'est-à-dire deux plaques maintenues parallèles par des piliers tout autour du mouvement. Et ce qu'on peut voir dans les croquis, c'est justement le passage depuis ce cylindre central que j'ai gardé dans la montre d'aujourd'hui, donc un cylindre central étanche qui est tenu par des brancards et des inserts qui permettent de rattacher le bracelet à l'objet et le tenir sur le poignet. Et au-delà de ces éléments techniques, il y a toute cette histoire fabuleuse de Ferdinand Berthoud qui doit forcément vous inspirer dans le cadre de votre travail. On parle d'un artisan qui travaillait en atelier avec quelques assistants et qui travaillait sans ça sur la précision. Et donc j'ai essayé de m'inspirer de cette idée-là d'un ingénieur, donc pas plutôt un ingénieur qu'un esthète pur, qui privilégiait la lisibilité, la fiabilité. Il y a le côté manuel du XVIIIe siècle qu'on retrouve dans la police et les différents détails du cadran. Et puis une association de matière aussi qui est similaire à ce qu'on retrouvait sur ce cadran. Et une montre, Serge, on va le préciser, qui ne peut pas être portée sur n'importe quel poignet. Alors non, elle se destine aux grands collectionneurs puisqu'elle coûte plus de 200 000 francs. Vous avez les capacités d'en produire une vingtaine par année. Alors une dernière question à ce propos. À quel point ce grand prix d'horlogerie, cette aiguille d'or, vous aide à démarrer cette jeune marque? Alors pour les jeunes marques comme nous, c'est fabuleux parce qu'on se rend compte qu'avec la retransmission, par exemple, de l'événement GPHJ dans le monde, que déjà le soir même ou le lendemain, on avait des félicitations des quatre coins du monde. Donc pour une jeune marque qui essaie de se faire connaître.
C'est une bonne chose, naturellement. Guy Beauvais, un grand merci. Bonne continuation dans votre travail. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va terminer l'émission avec un peu de poésie en compagnie de Marianne Bechtel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de cette montre ? Mais oui, c'est mon épouse qui m'a fait un cadeau pour le 90 ans. Comment t'es 90 ans ? Non, 65 ans. De nos jours, avec les téléphones portables, on n'a plus besoin vraiment de montre. Oui, mais c'est quand même une petite touche. Hein. C'est pas la même chose qu'un téléphone. Alors, c'est une montre au poignet, je trouve que c'est beau. C'est stylé quoi, d'avoir une montre. Et avant de se quitter, on va accueillir Marianne Bechtel pour une dernière chronique. Bonjour Marianne. Bonjour. Il sera question, Serge, du temps vivant. Le temps social, le temps sacré, la vie cellulaire, la vie biologique, bref, le temps avec un grand T. Marianne, vous nous présentez une étude universitaire. Exactement, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui du temps des horlogers, c'est normal, c'est l'heure, il faut rendre à César. Mais les universités de Besançon et de Neuchâtel ont eu une initiative intéressante, c'est de tendre le micro, ou plutôt la plume, à des contributeurs scientifiques, médecins, sociologues, psychologues, psychiatres, qui se sont penchés sur le temps du vivant et qui ont dressé un état des sciences de la vie abordé sous l'angle du temps. Alors quand on dit le temps du vivant, on pense naturellement à la biologie, c'est le premier point. Exactement. Il faut en commencer par l'infiniment petit. La cellule, qui est la plus petite unité biologique constitutive des êtres vivants, elle sait quand elle doit mourir. Le temps pour elle n'est pas séquencé en heures, minutes, secondes, mais en divisions. L'horloge biologique additionne les divisions au sein d'une même cellule et au terme des divisions prévues, la cellule meurt. Alors quel lien, Marianne, avec le monde horloger ? Mais justement, je trouvais très intéressant d'établir un pont entre ces deux mondes, puisque finalement les horlogers, en se penchant et en maîtrisant totalement le séquençage du temps, ont offert à l'humanité un très joli cadeau. Ils nous ont donné une possibilité de ne pas nous affoler face au chaos, et peut-être nous donner un petit peu de la sagesse de la cellule. Sauf que nous, pauvres humains, nous ne savons pas, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Alors, on va quand même finir sur une note un tout petit peu plus optimiste, parce que finalement, on passe notre vie à dire « j'ai le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps passe trop vite ». Mais au fond, on dit tout ça parce que l'on sait que la mort, de toute façon, est inéluctable. Mais pour se consoler de ce passage inéluctable précisément, il faut peut-être se dire que si on était immortel, deux choses sont certaines, on serait soit infiniment paresseux, soit infiniment fatigué. Et voilà, sur ces belles paroles que l'on termine. Merci beaucoup Marianne, merci Serge, merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission. Avec Serge, on vous retrouve pour une prochaine émission, tout bientôt, sur la télé. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. C'est l'heure, vous a été présenté par l'amortisseur de choc Incabloc qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 85 ans.